Daniel Côté a eu une année particulièrement chargée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est justement d'aller le rencontrer pour faire un petit peu un bilan des principaux dossiers sur lesquels il a été obligé de travailler. Bah, obligé, je pense même qu'il a eu du plaisir à le faire. Donc, on a discuté avec lui tout ce qui de plusieurs dossiers donc, qui concernent tout ce qui concerne le social, l'économique et le politique. Et vous allez voir, fidèle à lui-même, Daniel est en verve. Tout d'abord, bonjour Daniel. Bonjour, Igor. Heureux de te voir à l'occasion de cette dernière entrevue de l'année avec toi. On va s'entendre que c'est. On va faire un petit peu un bilan, justement, parce qu'on s'entend. Une année fort occupée avec pas mal de plus. Et au niveau de la balance, bon, il y a pas mal de plus, peut-être quelques moins. On va commencer justement avec les plus, si tu le permets. Parfait, ça laissera pas de place pour les moins. Non, je taquine. Et puis, mais on s'entend, il s'est passé pas mal de trucs. Si on regarde dans un premier temps, on pourrait dire que un des gros plus, ça a été l'annonce au niveau des garderies, un dossier qui, on va se le dire, a perduré dans le temps et on voit poindre enfin une solution pérenne. Effectivement, en fait, c'était un cheval de bataille des dernières années. On avait formé un comité politique à l'Union des municipalités du Québec que je présidais, donc à la grandeur du Québec. On a vu une transformation. En fait, on a travaillé de façon extrêmement étroite avec le ministre Lacombe pour lui donner vraiment le pouls du terrain. Et ça aboutit dans une réforme qui est en train de se faire. Concrètement, ici à Gaspé, cette réforme-là nous apporte 111 nouvelles places en garderie. Personne ne s'attendait à un chiffre aussi élevé, pas même notre CPE coordonnateur. On a poussé extrêmement fort pour arriver à ce résultat-là. C'est un travail collectif. Notre député aussi a été au rendez-vous. Bref, on était plusieurs personnes à pousser dans ce sens-là. Le résultat est là. Les places vont être déployées d'ici les 2 prochaines années. En attendant, on tente, en fait, via aussi nos services à la MRC et le CPE coordonnateur, on a réussi à trouver une façon de déployer des places temporaires là, qui seront annoncées prochainement par le CPE. Là, je ne vais pas scouper leur annonce, mais je vous dirais que ça regarde bien pour au moins combler une partie de la liste d'attente de façon provisoire, le temps que les constructions soient faites. Bref, ça c'est un dossier que je qualifie de victoire. Construction prochaine, on s'entend par contre que construire des. Là, on parle de construire en dur. Ça signifie que ça devrait être permanent d'ici quoi? Un an, 2 ans? L'objectif, c'est d'ici 2 ans, en fait, peut-être 1 an et demi à l'heure où l'on se parle. C'était 2 ans après l'annonce qui était l'objectif. Ça fait quelques mois déjà. Donc, il y a un agrandissement du CPE sur la rue Bolduc et il y a une nouvelle construction à un endroit qui reste à préciser. Il y a quelques scénarios qui sont encore en train d'être travaillés. C'est clair qu'on va être à quelque part en périphérie du centre-ville de Gaspé parce que c'est là où sont les plus longues listes d'attente. Le CPE fait des choix objectifs, ce n'est pas des choix politiques. Donc, eux autres, ils regardent les adresses des parents qui sont sur les listes d'attente et disent, ben ça devrait être dans ce secteur-là que ce serait le plus probant. Donc, ça va être autour du centre-ville de Gaspé, c'est 80 nouvelles places là également. Donc, ça s'en vient très bientôt, c'est bonne nouvelle. Ça, c'était un très gros plus. On va rester dans le domaine social, justement. Oui. Autre plus, c'est le plan d'action pour les personnes handicapées. Effectivement. Ça, effectivement, c'est un bon coup encore. Effectivement, en fait, on renouvelle encore une fois le plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Puis ça nous a donné l'occasion, en le renouvelant, de faire un petit bilan des actions des dernières années. Je ne les connais pas tous par cœur, c'est pour ça que j'ai une petite feuille en support. Bien, il y a énormément d'actions qui ont été faites, principalement au niveau de l'accessibilité universelle. De s'assurer que nos personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap aient des accès aux infrastructures de loisirs, aux infrastructures touristiques, etc. Il y a des pas de géant qui ont été faits dans les dernières années. Souvent, on ne le réalise pas parce que c'est devenu comme naturel. Mais quand, par exemple, on va au berceau du Canada, il y a des rampes d'accès à tous les bâtiments. On ne le réalise pas parce qu'on est là puis tout va bien, mais on réalise plus que quand ça va mal. Mais dans ces cas-là, par exemple, c'est des gros pas en avant. On a ajouté fauteuil hippocampe à Haldeman. Exactement, Haldeman, qui peut servir aussi sur la neige, donc par exemple au centre de ski. Donc, des fauteuils avec des roues très larges, un peu sur le principe des fat bikes pour les amateurs de vélo. Donc, ça permet de rouler sans caler dans la neige. On a prolongé le tapis magique qu'on appelle à la plage de Haldeman. Encore là, il y a eu plein de partenariats aussi au niveau de la piscine du Cégep. Il y a eu des partenariats et disons, du push qui a été fait pour avoir les infrastructures les plus adaptées possibles pour les personnes, encore une fois, pour les personnes handicapées. Il y a eu des travaux de fait avec le Parc national Forion. Il y a eu un amalgame aussi qui a été fait entre nos différentes politiques sociales de la ville. Politique personnes handicapées, politique municipalité à mi-des-années, politique familiale. On a essayé de faire converger ces politiques-là vers un tout plus uni. Ça aussi, c'est
ça a l'air théorique, mais dans la vraie vie, ça peut changer plein de choses. Parce que ce qu'on fait avec une politique peut avoir une influence sur l'autre, etc. Donc, il y a eu tout ça de fait. Il y a eu des adaptations au niveau de la piste cyclable, de gazebo, manège équestre à Rivière-au-Nord aussi. Il y a une plateforme spécifiquement dédiée pour les personnes à mobilité réduite pour qu'ils puissent voir les shows aussi, de façon aussi, je dirais, de façon aussi belle que n'importe quelle autre personne qui est sur ses deux pattes et qui peut se déplacer. Bref, de l'adaptation, il y en a eu énormément. Et c'est pas fini. Le plan d'action 2022 va aussi prévoir des actions pour continuer ce qu'on fait. Un autre élément aussi que je pense, c'est la sensibilisation qui a été faite en partenariat avec la CCTG, entre autres, auprès des entreprises, pour que les entreprises aussi adaptent leurs infrastructures progressivement. C'est souvent des coûts énormes, là, puis on ne veut pas forcer les entreprises à mettre des dizaines de milliers de dollars rapidement dans l'adaptation, mais s'ils peuvent le faire progressivement, puis on a des très beaux exemples, là, je pense à une rampe pour fauteuil roulant qui est amovible au Brise-Bise, par exemple. Je ne fais pas de promotion pour un en particulier, mais c'en est un qui me saute aux yeux. C'est pas évident parce que les espaces sont restreints sur les trottoirs, mais ils ont patenté quelque chose qui fait la job, puis la clientèle est heureuse, d'une part. Les livreurs sont heureux aussi parce que le petit diable, c'est comme un fauteuil roulant, ça prend de rampe aussi. Bref, tout le monde est heureux. Puis c'est des aménagements qui sont souvent pas très coûteux puis qui donnent d'excellents résultats. Bref, on avance. Si on regarde, par contre, au niveau... Bon, on va regarder peut-être au niveau économique, entre autres au niveau du transport. On a vu, entre autres, bon, des annonces assez importantes quand même du côté de l'aéroport, entre autres. Effectivement. Dans les quatre dernières années, c'est plus de 18 millions de dollars qui ont été investis à l'aéroport Michel Pouliot de Gaspé, et c'est loin d'être terminé. C'est un cheval de bataille que je m'étais promis de je dirais pas de régler, mais d'avancer de façon assez marquée. Puis je pense que on peut pas mettre un crochet complet à côté de tous les investissements requis, mais on en a un gros, gros bout de fait. L'allongement de la piste, la réfection de la piste. Là, on est sur le point de terminer ce qu'on appelle les clôtures autour de la piste. On a ajouté des équipements de dégivrage, des équipements électriques aussi pour recharger les avions. Les balais de piste ont été changés. Les équipements, les boîtes électriques et tout le kit qui date de la construction de l'aéroport, qui était vraiment désuet. Ça paraît pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est absolument nécessaire d'avoir ça à jour. Donc, on est là-dedans également. La prochaine étape, ça va être l'aérogare. Dans le fond, je vais mettre un crochet complet quand l'aérogare sera fait. Puis là, on va pouvoir dire nos infrastructures sont top-notch à Gaspé. On est en mode construction de hangar également, qui était demandé par les transporteurs et qui pourrait peut-être faciliter le fait que les avions puissent coucher ici, se faire entretenir ici, améliorer les horaires aussi, qui sont l'écueil principal au niveau de l'achalandage présentement. Ultimement, améliorer l'achalandage et avec achalandage viendra le prix des billets. C'est une roue qui tourne. Puis ça, justement, il y a peut-être un petit bémol du côté du transport. Bon, l'aéroport, c'est une bonne chose, certes, infrastructure, on s'entend. Petit bémol, par contre, on espérait beaucoup qu'avec le... Bon, je dirais pas le départ d'Air Canada, mais qu'avec l'arrivée de nouveaux transporteurs, qu'effectivement, il y aurait une baisse au niveau des prix, que ce serait davantage utilisé. Mi-figue, mi-raisin, on dirait. En fait, il y a eu une baisse de prix dès l'arrivée d'un deuxième transporteur dans le décor. Donc, quand on avait seulement Pascan Aviation au début, en fait, puis à leur décharge, on frappe souvent sur les transporteurs, mais c'est des transporteurs purement privés. Certains ont bénéficié d'un peu de subvention dans le cadre de la pandémie parce que si on voulait que les avions roulent avec personne à bord, ben, ou presque personne à bord, ben, c'est impossible de rentabiliser tout ça. Mais les transporteurs, il faut qu'ils fassent des sous. C'est une entreprise privée, ils ne volent pas pour nos beaux yeux. Donc, d'une part, tant que les avions ne sont pas pleins, bien, c'est difficile de faire de l'argent. Présentement, il n'y a pas grand monde qui voyage. Je fais partie de ceux qui ont repris un peu les déplacements à l'extérieur, là, puis il n'y a pas grand monde dans les avions. Donc, difficile de rentabiliser ces vols-là, les pilotes, les appareils, les frais d'atterrissage, le carburant, puis envoyé par là, c'est difficile à rentabiliser sans soutien de l'État. Donc, je reviens au départ. Pascan, tout seul, à un moment donné, est arrivé PAL Airlines, qui est encore dans le décor d'ailleurs, au jeu de la concurrence qui a opéré. Les prix ont chuté de façon très intéressante. C'était facile d'avoir des billets d'avion à 250-300$ à ce moment-là. Même en bas de 200, j'en ai vu des moments donnés. Fait que là, beau petit jeu de concurrence qui a opéré durant à peu près tout l'été. Beau jeu de concurrence, les prix avaient bien de l'allure, tout le monde était heureux. Après l'été, les prix sont partis vers la hausse. Pourquoi?
Bien, cet été, il y avait de l'achalandage touristique via l'avion aussi. Donc, les avions étaient plus remplis. Puis, il y avait aussi cette nouvelle concurrence-là. Mais on dirait que chacun s'est mis à remonter un peu le prix. Puis, on est arrivé qu'aujourd'hui, bien, les prix ressemblent à ce qu'Air Canada nous offrait. Sauf peut-être les dernières minutes qui sont moins chères aujourd'hui qu'ils l'étaient avec Air Can. Air Can boostait ses prix sur les billets de dernière minute, ce que ne font pas les deux transporteurs actuels. Donc, petit avantage, mais en général, on est encore loin de la coupe aux lèvres. Ce qui n'aide pas, c'est les horaires. Ça, tous les utilisateurs réels ou potentiels me le disent. Je fais partie des utilisateurs réels et les horaires ne nous conviennent pas. Partir de Gaspé en fin de journée et revenir un matin, bien souvent, ça nous fait revenir les samedis matins. Avant, on prenait l'avion, on partait le matin, on revenait le soir. Donc, en termes institutionnels ou en termes économiques, bien, on économisait des frais d'hôtel. À cette heure, il faut partir le soir, donc tu n'as pas le choix d'aller coucher en ville, puis tu reviens juste le matin, donc tu n'as pas le choix de te retaper une autre unité d'hôtel. Ça coûte encore plus cher, finalement. Ça coûte encore plus cher à nos organisations et aux entreprises et à monsieur, madame, tout le monde, en plus du prix du billet qui est plus élevé que la norme. Je sais qu'il y a des contraintes logistiques, je pourrais vous en parler en long et en large. Les transporteurs, même si les deux sont en grosse rivalité et en grosse concurrence, donc ils ne se parlent pas vraiment, mais les deux m'ont donné exactement la même raison pour justifier leurs horaires. C'est une question, dans le fond, de masse au niveau de l'entretien. C'est une question de grosseur de leur flotte également. Je vais l'expliquer, monsieur, madame, tout le monde va le comprendre assez vite. Je vais le vulgariser. Air Canada avait une grosse flotte d'avions. Air Canada, ils s'en venaient, ils faisaient dormir leurs avions aux îles. Pas besoin de faire d'entretien majeur la nuit. Il retournait porter cet avion-là à Montréal. L'entretien se faisait le jour. Il ressortait un avion du garage, puis repartait continuer leur run de jour. Donc, les entretiens se faisaient de jour. PAL et Pascan n'ont pas la même grosseur de flotte qu'Air Canada. Donc, leurs entretiens doivent se faire quand ça ne vole pas, c'est-à-dire la nuit. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des avions qui dorment à gauche et à droite. Donc, comme ils doivent faire l'entretien la nuit, bien, ils peuvent pas faire. Ce serait carrément pas rentable de faire venir une équipe de mécaniciens spécialisés aux îles de la Madeleine ou à Gaspé pour entretenir un appareil. Vous voyez que ça n'a pas de logique. Il faut qu'on entretienne une batch pour que ça vaille la peine. Donc, c'est un peu ça le problème actuellement. Autre sujet, on reste dans l'économie. Annonce, mais plus que majeure, du côté de chez LM. Oui. Puis là, il y a deux aspects. On parle de plus de 200 emplois de travailleurs qui éventuellement vont arriver ici. Oui. Parce qu'on s'entend que ce ne sera pas des gens nécessairement d'ici qui vont être en mesure de travailler chez LM. Et dans un deuxième temps, on s'entend que la ville soutient de façon assez importante LM à partir du moment où on a décidé d'ouvrir justement le chemin entre le... En fait, le lien entre les deux. Moi, je l'appelle le lien entre les parcs industriels. Entre le parc industriel, simplement. Et le port, entre les deux parcs industriels. Ça fait des années qu'on avait ça dans nos cartons, dans la planification de la zone industrialo-portuaire, qu'on appelait, de créer une liaison routière entre les deux parcs industriels pour ne pas engorger la route 132 et la route 198 qui sont là, qui sont déjà fortement achalandés. Donc, on avait ça dans nos cartons. Là, on se permet de le déployer parce qu'en fait, c'est devenu absolument essentiel. Le pourquoi, c'est que les pales qui seront fabriquées chez LM, c'est géant. Vous avez vu. En fait, on le verbalise, mais je pense que les gens vont le réaliser quand ils vont les voir. Non, parce qu'on les voit mal en train de prendre le virage juste... C'est carrément impossible. La largeur d'une pale d'éolienne, les nouvelles qui s'en viennent, ça occuperait la route au grand complet. Donc, on parle d'une... Grosso modo, c'est la largeur d'à peu près trois semi-remorques. Puis c'est à la hauteur de trois semi-remorques, puis c'est à la longueur de sept semi-remorques. Fait que ça vous donne une idée, là. Donc, c'est un bloc monolithique de 63 semi-remorques. Trois de large, trois de haut, sept de long. Ça prend la largeur d'une autoroute. Ça prend la largeur. En fait, ça prend plus de deux voies de large sur une route. D'accord. Donc, à bien des endroits entre... Si on regardait les routes actuelles, à bien des endroits entre l'usine et le port de mer, ça ne passe carrément pas sur la route. Il faudrait déplacer les lampadaires, il faudrait bloquer les routes. Puis c'est des routes qui sont essentielles, qui nous amènent vers l'hôpital, entre autres. On ne peut pas bloquer ces routes-là, ça n'a aucun sens. D'où l'obligation, en quelque part. Si on veut faire grandir l'usine, en fait, c'est pas juste la faire grandir, si on veut la sauver. Parce que si l'usine n'avait pas le contrat de pales géantes, qu'ils ont réussi à avoir grâce au leadership de nos dirigeants locaux, là, si l'usine n'avait pas ce contrat-là, il n'y avait plus de contrat. Donc, on était à un carrefour. Ça soit que la clé se mettait dans la porte. En fait, il y avait des grosses chances que la clé se mette dans la porte. Donc, notre bilan d'emploi, c'était moins 400 quelques. Ou soit qu'il agrandissait de façon marquée en obtenant ce gros contrat-là et il fallait mettre les infrastructures en place. Dans ce cas-là, on n'était pas dans moins 400, on était dans plus 200 à plus 600.
il y a un potentiel de beaucoup d'autres nouveaux emplois si on est capable de le soutenir comme milieu, si on est capable de, d'ouvrir les places en garderie, si on est capable de créer du logement, si on est capable d'attirer des nouvelles familles sur le territoire, il y aurait de la place encore pour grandir l'usine. Ça, ces pales-là vont être nécessairement transportées par bateau ou par train? Bateau, absolument. C'est trop gros pour le train. À ce moment-là, est-ce qu'on parle d'investissement à venir du côté du port? Oui, en fait, la société portuaire qui appartient au gouvernement du Québec, la société portuaire est déjà en mode investissement. Ils sont déjà en mode de faire de l'espace dans le parc industriel. Ils sont en mode de... en fait, techniquement, il faut qu'ils déplacent les lampadaires qui sont au milieu du quai pour les tasser, sinon les pales ne passent pas sur le quai. Puis ça va demander des équipements de transbordement aussi. Équipements de transbordement. Je pense qu'ils sont plus en mode locatif. Là. Je sais pas si, comme la société portuaire est provinciale, je n'ai pas le menu détail, mais je pense qu'ils sont en mode de location d'équipements plus qu'autre chose. Pour transporter ces pales-là aussi, ça ne se fait pas avec un camion standard. Donc, c'est de la machinerie spécialisée qui vont transporter les pales. Mais ça, c'est LM qui s'occupe de ce volet logistique-là avec leurs équipes, leurs compagnies de transport. Bref, c'est quelque chose d'assez majeur. Ça va être impressionnant à voir. Entre-temps, nous autres, notre job comme leaders locaux, c'est de soutenir cette croissance-là. En fait, il y a plein de dossiers de développement économique dans notre grande ville qu'on pourrait parler, les chantiers navals qui sont en expansion, etc. On met le focus sur LM parce que c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, ça, c'est le géant. Puis c'est lui qui en crée le plus en nombre absolu d'emplois actuellement. Mais ça nécessite des investissements publics. Donc, les gouvernements fédéral et provincial ont investi dans l'usine. On travaille avec le gouvernement du Québec aussi pour qu'il nous aide financièrement pour la construction de la route qui va générer énormément de trafic dans le port de mer qui leur appartiennent et éventuellement sur le chemin de fer, pas avec les grosses pales-là, mais les prochaines pales qui viendront peut-être après les grosses vont peut-être retourner sur quelque chose qui va se transporter par chemin de fer. Bien, c'est leur chemin de fer aussi. Fait qu'il faut qu'ils nous aident à leur amener du trafic sur leurs infrastructures. Et là, justement, quand on parle de cette fameuse route qui va devoir traverser la montagne, on en est où, justement, à ce niveau-là? Parce que là, on s'entend, permet l'expression, on est sur le fast track, là. Il faut avancer vite. Il faut que ça aille vite, il faut que la route soit prête pour, on va dire, septembre ou maximum octobre prochain. Oh. Donc, il nous reste 10 mois. Pour construire une route de 6 point quelques kilomètres. On est où? On est rendu en mode acquisition des propriétés. Donc, évidemment, on traverse une quantité phénoménale de terrains privés. La plupart, c'est des petites parcelles de terrain qu'on vient traverser, qui vient désenclaver plein de propriétés aussi. C'est des propriétés qui sont extrêmement longues, mais qui n'avaient aucun accès à une route publique. Donc, on vient désenclaver une série de propriétés. Moi, en tout cas, j'ai eu des échos positifs de différents propriétaires de terrain. C'est pas tout le monde qui est d'accord de se faire enlever une partie de terrain pour passer une route. Mais il y en a quand même plusieurs qui ça fait bien leur affaire parce que ça donne de la valeur à leur terrain puis ça leur permet de rendre ces terrains-là constructibles et vendables aussi. Donc, il y a des avantages. On peut penser à du développement immobilier? Oui, effectivement. Donc, cette route-là ne sera pas uniquement, spécifiquement réservée aux pales d'éoliennes. Non. Ça peut être utilisé par des particuliers également. Effectivement. Effectivement. D'accord. C'est ça le plan. Par contre, il faut se dire que quand il passe une pale, c'est elle qui va avoir priorité à quelque part, à la grosseur que je vous le disais tantôt. Là. Puis l'équipement de transport circule à 5 km/h. Donc, quand il passe une pale, il va falloir être patient quand une pale passe, mais il n'en passe pas 8 000 par jour. Il va en passer en moyenne une par jour. D'accord. Donc. Voilà. Et justement, là, on tombe un petit peu dans des zones un peu plus nébuleuses. C'est ce fameux rapport qui est sorti disant qu'il faudrait construire 400 logements dans la région. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Parce que c'est un gros dossier, c'est même un frein au développement économique. Effectivement. Donc, il y a plusieurs étapes. On a obtenu de l'Assemblée nationale une loi privée pour offrir des incitatifs plus généreux que ce que la loi standard nous permettait. On a tout préparé ça. Notre député a marrainé le projet de loi qui était appuyé aussi par la ministre des Affaires municipales. Donc, disons qu'on a fait notre travail de coulisses comme il faut. Ça a donné un bon résultat. On a eu les incitatifs particuliers. Puis d'ailleurs, plusieurs de ces incitatifs-là se retrouvent désormais dans une loi générale. Le projet de loi 49 qui a été adopté cet automne à l'Assemblée nationale est inspiré largement du projet de loi privé qu'on avait bâti et fait et réussi à obtenir. Ceci dit, on en est où? Grâce à la loi privée, il y a quand même plusieurs unités de logement, plusieurs dizaines d'unités qui ont été construites à l'heure où l'on se parle. On parle de plus de 70 unités déjà en partant.
On a 144 unités qu'on a annoncées en grande pompe cet automne, qui est attachée avec un promoteur. Qui vont se retrouver dans le parc municipal. Ils se retrouvent exactement ici à côté du IGA. Super beau spot, mais eux autres sont en train de finaliser leur plan et tout ça pour pouvoir commencer la construction d'ici la fin de l'année qui s'en vient, ou au plus tard début 2023. Mais normalement, d'ici la fin de 2022, on devrait avoir des pelles mécaniques s'installer. Ils vont y aller par phase. Mm-hmm. On s'entend qu'on a... Il y en a pour plusieurs années de construction. Il y en a pour 4 ans de construction. 4 ans. 4 ans, c'est 4 bloc de 36 unités, mm-hmm. qui totalise 144, c'est bien ça, 4 x 36, 144, je me trompe pas. donc, c'est ça, bref. Donc, ça va se déployer progressivement. Si on avait pu mettre la main sur un méga constructeur, un Pomerlo, un Immostar ou un gros constructeur comme celui-là, peut-être qu'il l'aurait déployé plus rapidement. On a fait des tentatives chez des gros, mais eux autres sont habitués de déployer des plusieurs centaines, des milliers d'unités dans des grands centres urbains avec leurs grosses équipes de construction. Il fallait les convaincre d'investir à Gaspé, puis ça n'a pas été évident. Mais on a trouvé ces bons petits promoteurs-là, mais petits, moyens, puis qui vont grandir. Des gens de la région qui avaient à cœur d'investir ici, qui nous ont proposé quelque chose de très intéressant. Puis à un moment donné, ça a fait, regarde, lâchons les géants. Là. On a des gens d'ici qui sont prêts à le construire. Ça va peut-être être un petit peu plus long qu'avec des géants, mais on va le réussir quand même, notre défi. D'où l'idée de vendre leur terrain à ces promoteurs, notre terrain à ces promoteurs-là, et qui vont le déployer rapidement. En fait, le plus rapidement qu'ils vont être capables de le faire. Ça, c'est un élément. Maintenant, pour attirer des gros, ce qu'on a fait, on a commandé une étude indépendante. Mm-hmm. Moi, je le disais bien, là, mais c'est la parole d'un politicien, ça vaut la parole d'un politicien, j'en suis bien conscient, même si on essaie de ne pas promettre de fausseté. Mais dans la vraie vie, moi, j'ai toujours dit, ça va prendre entre 200 et 300 unités de logement. Ça vaut ce que ça vaut, la parole du maire. Ça vaut bien ce que ça vaut pour un promoteur immobilier. Il partira pas avec la parole du maire chez son banquier pour se faire... Ça vaut pas cher, là. T'sais, fait qu'on a voulu faire documenter par une firme indépendante, donc le groupe Altus, qui sont spécialisés dans le secteur immobilier. On les a mandatés de produire une étude là-dessus. Et ils estiment à tout près de 400 le nombre d'unités de logement qui sont requis pour les prochaines années à Gaspé. Le 400 inclut les 144 qui sont promises et non construites. Donc, grosso modo, il y a de la place sur le marché immobilier. C'est chez Bourraki que les 144 vont se construire avec nos promoteurs. Il reste de la place sur le marché pour au moins un autre 250 unités. Je dis bien au moins. Mm-hmm. Parce que cette perspective-là tient compte, les données d'Altus tiennent compte que chez LM, c'est plus 200 emplois. Mais on le sait qu'il y a de la place pour pas mal plus que 200 dans la nouvelle usine. Donc, il y a de la place pour plus de 250 nouvelles unités en plus de celles attachées. En plus aussi des... Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont en train de se présenter justement pour ces... Il y a des transactions immobilières qui se sont faites récemment sur le territoire ou qui sont en train de se conclure, qui nous laissent présager qu'il pourrait y avoir d'autres projets immobiliers. Mais ne pouvant pas parler à la place des promoteurs privés, je peux juste vous dire que ça bouge. Mm-hmm. Ça bouge en coulisses. Est-ce qu'on pense que le gouvernement du Québec va agir un petit peu dans le dossier? Ben, en fait, on est dans le domaine du privé. Le gouvernement du Québec va agir en logement social et en logement abordable, si on veut. Donc, il y a des choses qui se travaillent sur la scène nationale à cet effet-là. Puis là, je peux mettre mon chapeau de président de l'UMQ 32 secondes là-dessus. Ce qu'on travaille avec le ministère des Affaires municipales, c'est de déployer, déployer des nouveaux programmes pour le logement abordable. Donc, des partenariats publics-privés, si on veut. Donc, que le gouvernement du Québec investisse des billes dans des projets privés en échange du fait que les logements soient abordables. Et abordable, ça veut dire qu'une famille de classe moyenne est capable de se le permettre. Il y a ce volet-là, puis il y a le volet logement social aussi. En logements sociaux, on a présentement sur notre territoire 60 unités qui sont en déploiement, 48 à la Maison des aînés de Rivière-au-Nord, projet du CI3S de la Gaspésie. Et on a 12 unités qui est pilotée par l'Office d'habitation de Gaspé du côté de Petit Cap. Ça fait 12 ans qu'on en parle, mais là, les pelles mécaniques sont là. Par contre, on ne peut pas l'annoncer, puis je ne peux pas vous en parler plus que ça parce qu'on n'a pas été dédouané par nos partenaires financiers. Mais les pelles mécaniques sont là, fait que à vous de conclure, c'est bon signe. À vous de conclure ce qui se passe à Petit Cap présentement. En terminant, vitement, on sait qu'il y a eu pas mal de mouvements cette année du côté politique en tant que tel. Tu t'es retrouvé, entre autres, président de l'Union des municipalités du Québec. On va le dire encore une fois, félicitations. Il y a eu plein de petits nouveaux, entre autres, au conseil municipal à Gaspé. Il y a eu les deux premiers, je crois, conseils municipaux ici. Changement de dynamique au niveau tant de l'UMQ que du conseil municipal ici? Ben, en fait, il y a un gros changement de garde dans l'ensemble du Québec. Le Québec municipal est complètement chamboulé. Honnêtement, on pourrait
On pourrait dire, bon, ben c'est beaucoup plus de travail, etc. Ouais, mais c'est correct aussi. La population a fait son choix. Ici, à Gaspé, on se retrouve avec 5 nouveaux conseillers municipaux. Seulement, M. Smith a survécu à ce que j'appelle une forme de vague, si on veut. Il y a eu comme une vague de changement. Il y a une vague jeunesse également. Donc, c'est carrément une nouvelle dynamique. J'ai été habitué, moi, dans ma petite carrière politique, à travailler avec je vais appeler des seniors. C'est des élus qui étaient là depuis très longtemps, ou des élus, je dirais, qui avaient quand même plus d'expérience de vie que la moyenne des ours. Donc, c'était une autre façon de voir la chose. Ça travaillait très bien. Maintenant, on a un vrai senior au conseil. On a une personne plus expérimentée aussi en termes de vie, M. Côté. Puis on a 4 nouveaux qui sont tout jeunes, qui commencent une carrière politique, si on veut. Et ça amène une dynamique qui est vraiment différente et intéressante. Fait que ça se passe très bien. À date, là, ça se passe super bien. Nous, on a volontairement ralenti un peu la machine parce qu'on était habitué d'avoir des gens qui étaient habitués dans le milieu municipal. Donc, tous les processus, les façons de faire, puis tout ça, ça allait beaucoup plus vite. Là, on a ralenti la machine le temps que les gens apprennent comment ça marche. Ça, il y a un processus d'apprentissage. Exactement. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. À l'échelle nationale, il y a plus de la moitié des élus qui étaient présents autrefois qui ne sont plus là. Donc, là aussi, un changement de la moitié de la garde. Sur mon conseil d'administration à l'UMQ, c'est 26 nouveaux élus sur un conseil de 50. Donc, ça amène une toute nouvelle dynamique également. Mais encore là, c'est une question d'adaptation. Donc, volontairement, on ralentit un peu notre rapidité d'exécution, le temps que les gens apprennent comment ça marche. Période de rodage. Puis, à un moment donné, la roue va reprendre, puis ça va peut-être aller encore plus vite après, qui sait. Mais bon, moi, j'aime ça quand ça va vite. Je roule toujours à fond la caisse, vous me connaissez. Mais c'est, honnêtement, ça se passe bien, c'est bien correct. Le monde est là avec le cœur. Le cœur est là pour les bonnes raisons. Puis c'est ça qui est le fun. D'accord. Daniel, je pense qu'on a fait le tour, grosso modo, parce qu'il y a, bon, il y a plein d'autres dossiers, peut-être plus dans le détail. On va te souhaiter de très joyeuses fêtes, parce que c'est la dernière de l'année. Puis est-ce que tu prends des vacances? Bien, lors des fêtes, un peu, je reste en disponibilité à peu près tout le temps, sauf que d'habitude, la machine ralentit énormément. En fait, la machine, puis moi-même, on s'impose un ralentissement de quoi, une semaine et demie. Donc, ça va être à peu près ça. Donc, d'accord. Ça va peut-être faire du bien aussi, parce qu'on a tous un petit peu besoin de décanter. Je sens la fatigue dans les troupes. Peu importe à qui je parle, c'est ainsi, peu importe dans quel domaine, dans le privé, dans le public, n'importe où. J'ai l'impression que les gens, avec les bizarres années qu'on a vécues, la dernière année et demie a été bizarre pour tout le monde. Hein. On a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues, des choses qui arrivent une fois aux 100 ans. Donc, notre état d'esprit fait en sorte qu'on est tous un peu fatigués. Donc, le temps des fêtes, je pense, va être salutaire pour bien des gens. Ça va nous faire du bien. Fait que je vous souhaite aussi à toute l'équipe de Télé-Gaspé et à l'ensemble de la population du Grand Gaspé et des environs de très joyeuses fêtes. Merci, Daniel. Merci.